Oui. Alors, c'est quand j'ai écrit mon premier livre, Patience dans l'azur, j'ai essayé de trouver un éditeur et personne n'en voulait. Les gens disaient, l'astronomie, ça n'intéresse personne. Et je suis allé dans 30 maisons d'édition qui m'ont tous dit, c'est pas notre département, c'est pas si, c'est pas. Puis finalement, j'ai eu rencontré Jean-Marc Lévy-Leblond qui dirige une collection au Seuil. Et sa collection s'appelle Science ouverte. Ouais. Et depuis ce temps-là, presque tous mes livres sont publiés au Seuil. Oui, parce que j'ai vu que tu avais fait quand même aussi des compilations, tu avais, c'est-à-dire tu diversifies sous forme à la fois de BD, on va en parler tout à l'heure. L'idée de la bande dessinée, c'est que ça s'adresse à des gens qui lisent peu. Mmh. Et le problème, c'est de rejoindre les gens qui lisent peu. D'accord. Alors les livres qu'on en publie ici au Seuil, ça a un public, mais il y a beaucoup, en particulier chez les jeunes, qui lisent de moins en moins, ça ne les atteint pas. Donc, quand une maison belge m'a proposé de faire une bande dessinée, je me suis dit, c'est très bien, parce que c'est un nouveau lectorat pour lequel on peut faire de la pédagogie. Mm-hmm. Je trouve que l'idée de faire de la pédagogie avec la bande dessinée, c'est vraiment une très bonne idée. Mm. Donc, on a fait ce livre. Moi, je n'y croyais pas beaucoup au début. Ils m'ont demandé si j'avais une idée. A priori, je ne voyais pas très bien le rapport entre ce que je faisais et la bande dessinée. Ils m'ont dit « Envoyez-nous quand même ». Je l'ai envoyé sans y croire trop. Mmh. Et puis quand j'ai vu le résultat, j'ai trouvé ça formidable. Sur l'univers, ça c'était le premier sur l'univers. Oui, c'est ça. Il est bien. Les dessins sont très beaux, les couleurs sont belles et tout ça. Mmh. Et là, on vient d'en sortir un autre sur la biodiversité, et qui est très beau aussi. Très beau aussi, sur un plus grand format en fait. Plus grand format, oui. Et effectivement, ça fait deux supports qui se complètent. Et j'ai envie de dire, en tant qu'adulte, on a un plaisir à le lire à un enfant. En principe, on doit faire une série. Ils m'ont proposé d'en faire une série. Avec la mer aussi, oui, les océans. Oui, c'est ça. Je vois que tu es au courant de tout. Comme j'essaye. Merci, merci Hubert. Tu le retrouves dans ta bibliothèque, des livres que tu as lus il y a des décennies, et tu es content de les avoir. Et tu arrives, comme tu veux, à transmettre justement à tes petits-enfants ces goûts de lecture Oui, à des résultats variables, mais oui, en gros, oui. C'est plutôt les filles. Les garçons, ils ont déjà leur prédilection pour le football et le rugby, et ils ne sont pas vraiment aussi attentif et aussi à valoriser la culture comme les filles. D'accord. Ah oui, tu penses qu'il y a une vraie différence? Je le vois chez mes enfants. Ouais. Je ne sais pas si c'est statistiquement valable, mais les filles, elles ont une volonté de percer, justement, le fait qu'elles savent. Besoin. Alors, elles sont, pour eux, les choses ne sont pas faciles, elles le savent et elles s'investissent. Les garçons, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas vital pour un garçon d'avoir une bonne note. C'est peut-être vital pour une fille. Mais un garçon n'a pas cette idée de vivre au football. Il veut aller au football, il y va, ce n'est pas son problème. Et ça, c'est pour moi deux bonnes réponses. La vie n'est pas facile et les filles ont un problème atavique, c'est-à-dire de savoir qu'elles ont toujours été infériorisées et elles ont envie de se battre. C'est toute la cause du féminisme. C'est pas évident que la cause féministe gagne aujourd'hui. On l'a cru pendant quelques décennies, dans les années 80-90, ça avait l'air tout beau. Mais maintenant, quand on regarde les statistiques, les nombres de personnes qui sont au pouvoir, par exemple, dans les grosses compagnies, les secrétaires sont en général des filles et les directeurs sont des garçons. Alors, ça, c'est un fait. Mais c'est mondial. Tu ne trouves pas beaucoup de pays où ce n'est pas le cas. Il y a l'autre extrême des pays islamiques et autres dans lesquels les femmes n'ont même pas le droit d'être dans la rue. C'est sûr que ce sont les valeurs féminines qui vont pouvoir sauver la planète, ça c'est évident. Notre histoire, comment on en est arrivé à être là,
et l'écologie, qui est de dire, attention, comment penser à agir de façon à ce que ce qui vous a fait apparaître ne vous détruise pas de la même façon. Et je crois que c'est probablement un peu vrai pour... Maintenant, on étudie, on découvre des exoplanètes un peu partout dans l'univers. On connaît plusieurs milliers d'étoiles qui ont eux-mêmes des planètes comme notre système solaire. Et on se demande la question, et bien sûr, de savoir est-ce qu'il y a des gens qui habitent là? Est-ce que ces planètes sont habitées? Est-ce qu'elles sont habitables? Ça, pour l'instant, on ne sait pas, mais on pourrait l'obtenir assez rapidement avec les études astronomiques sur les planètes voisines, des étoiles voisines du Soleil. Mais l'idée, c'est de dire, imaginons maintenant une planète habitée, supposons. Imaginons que sur cette planète, la vie soit apparue. On ne sait pas, mais ce n'est pas absurde, puisque c'est apparu chez nous, ce n'est pas impossible. Est-ce que cette planète qui développerait, qui aurait une histoire comme la nôtre, avec une vie qui commence dans les océans, ensuite on aurait des poissons, des amphibiens, toute l'histoire de la vie sur la Terre, et qui arrive à un moment donné, comme nous, à avoir d'abord des êtres intelligents et à découvrir des technologies. Découvrir des technologies, c'est indispensable pour se nourrir. Donc on peut supposer qu'ailleurs, il y a eu un parcours un peu similaire au nôtre et que les choses étant ce qu'elles sont, à force de travailler, d'étudier, de faire la science, on arrive à découvrir, par exemple, l'énergie nucléaire. On ne peut pas se débarrasser du nucléaire aujourd'hui, mais il faut aussitôt rapidement qu'on peut remplacer par des énergies renouvelables. Et là, il y a un élément qui est assez positif et étonnant. Généralement, on est habitué à des mauvaises nouvelles, mais des fois, on trouve des bonnes nouvelles. Moi, je me souviens que quand j'ai commencé à enseigner, on disait « les renouvelables, c'est un rêve, jamais on n'arrivera à remplacer la quantité d'énergie, à obtenir la quantité d'énergie à partir du solaire, des éoliens et tout cela ». Donc, on a fait des courbes d'essayer de prévoir comment ça allait monter. Ça monte beaucoup plus vite que tout ce qu'on a prévu. C'est rare, généralement, les choses se détériorent plus vite que prévu, là, elles s'améliorent plus vite que prévu. Par exemple, aujourd'hui, des pays comme le Danemark ont 20% de leur énergie qui vient des renouvelables. Et la France a aussi des objectifs de cet ordre à l'échelle de quelques décennies. Si tu avais mentionné ça en l'an 2000, on t'aurait dit « tu es un rêveur, tu es une rêveuse ». Tu vois, il y a des bonnes nouvelles qui viennent comme cela. Je pense que les renouvelables, ils ont toutes les qualités qu'on attend, c'est-à-dire c'est durable. D'une part, il faut trouver des sources d'énergie qui durent non pas 1000 ans ou 10 000 ans, mais à l'échelle de temps de l'humanité, c'est-à-dire 200 000 ans. Alors là, évidemment, toutes les sources qu'on connaît, le pétrole, le charbon, tout cela, ils sont épuisés en 50 ou 100 ans. Ça dépend des personnes à qui tu parles, mais il n'y a rien qui est durable dans tout cela. Même le nucléaire n'est pas durable à cette échelle. Le nucléaire qu'on utilise, le 235, c'est épuisé presque aussi vite que le pétrole. C'est ce qu'on ne nous dit pas. Si toute l'humanité aujourd'hui se mettait à utiliser le nucléaire, c'est même pas un siècle. Tous les accidents nucléaires ont été des accidents dus non pas à la machinerie, mais à l'humanité, au personnel. Donc sur ce plan, je pense que, et c'est heureux, nous sommes sur une bonne voie. Il faut viser des sources d'énergie qui sont durables, qui sont sans problème, qui sont bien contrôlées. Heureusement, cela a été compris par l'industrie. C'est pour ça que M. Trump, il se trompe complètement quand il retourne vers le charbon. Tous les industriels même disent qu'il n'y a pas d'avenir dans le charbon. La seule source d'énergie où il y a de l'avenir, c'est les renouvelables. Donc, une pas trop mauvaise nouvelle, c'est que les renouvelables se développent à une vitesse telle qu'on peut envisager qu'on va réussir à obtenir de l'énergie pour toute la planète. À une condition, c'est qu'on ne double pas notre consommation d'énergie à tous les 25 ans. Si on continue à doubler notre consommation d'énergie à tous les 25 ans, ben c'est une exponentielle, comme on dit, en un rien de temps, il te faudra toute l'énergie du soleil. Il n'y a pas de sources d'énergie qui n'ont pas de problème. Mais comparé aux autres, il n'y a aucune comparaison. C'est la seule, en tout cas, qui peut remplir ce contrat d'assurer de l'énergie pour des durées de millions d'années.
si on n'a pas un bilan net de la situation, c'est difficile de planifier. Par exemple, il y a une chose qui ressort de la pêche. La pêche, maintenant, s'est développée à une vitesse telle qu'aujourd'hui, on pêche deux fois plus de poissons qu'il ne s'en reproduit. Tu vois, on a beau être très intelligent, être capable de faire des bateaux de pêche qui prennent plus de poissons qu'on en a pris pendant des siècles, il y a une chose sur laquelle qu'on ne contrôle pas, c'est la vitesse à laquelle les poissons se reproduisent. Et au rythme où on est maintenant, il est évident qu'on est en train de vider les océans de leurs poissons. D'ailleurs, on le voit de plus en plus, tous les gens le notent, la pêche est abandonnée ici et là parce qu'il n'y a plus de poissons. Le problème, c'est que l'humanité a toujours eu un rapport très négatif avec la nature. On peut dire, grosso modo, depuis qu'ils existent, les humains saccagent leur planète. Quand on regarde à partir de l'apparition de d'Homo sapiens il y a 200 000 ans jusqu'à aujourd'hui, par exemple, les gens ont fait le bilan, on a tué plus de la moitié des animaux. C'est fort, ça, hein? On était capable de tuer plus de la moitié des animaux. On a stérilisé et on stérilise de plus en plus de terre en y mettant des engrais, des pesticides et tout cela. Notre comportement aujourd'hui fait qu'on faut allumer des clignotants et dire il faut prendre en considération ces problèmes. Dans le passé, ça existait aussi, mais ce n'était pas très grave parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'humains. Le problème important, c'est la multiplication des populations, surtout depuis la dernière guerre. Une quantité de gens qui font que tout ce qu'on fait est à l'échelle de la planète, a un rebondissement sur la planète. Par exemple, le fait de continuer, je parlais des pêcheries, le fait de continuer à pêcher, bon, tout le monde a dit, bah, c'est très bien, on fait des bons bateaux, etc., tout le monde, on va nourrir tout le monde. Sauf qu'on oublie un point, notre impact est à l'échelle de la planète. Nous sommes en train de acidifier les océans, réchauffer les océans, fondre les glaces. On est formidable, hein? Tu te rends compte, qui aurait pu imaginer, quand tu vas en avion, tu traverses l'Atlantique, tu vois que de l'eau, il y en a, hein? Il y en a. Eh bien, on est capable aujourd'hui de réchauffer tout ça. Nous sommes toujours confrontés à notre puissance, c'est-à-dire au total à notre intelligence, capable de faire des bombes atomiques, capable de faire des bateaux qui prennent beaucoup de poissons, de réchauffer les océans. Et maintenant, ça nous revient. C'est-à-dire que notre propre intelligence, qui nous a sauvés au début, qui nous a permis d'exister, aujourd'hui, nous a permis de faire des instruments technologiques tellement puissants qu'ils nous menacent. L'humanité, elle peut être le meilleur ou le pire, que donner les circonstances, elle peut faire Mozart et elle peut faire Hitler. Ça fait partie de notre énorme impact. Il faut savoir, des êtres humains, c'est quelque chose de fantastique. C'est quelque chose qui donne une puissance telle que ce soit aussi bien pour faire des choses valables ou pour faire le pire, on a toutes les possibilités, on a toutes les capacités, on est plus fort que tout le monde. C'est un peu ce que je te disais, c'est le fait que nous devons vivre avec notre énorme puissance intellectuelle, technologique et tout. C'est ça, le cadeau. La question, est-ce que l'intelligence est un cadeau empoisonné? C'est une question qui se pose de la façon suivante. Si l'humanité arrivait, comme on est venu tout près, au moment de la guerre froide, à s'éliminer elle-même, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que ben, c'est dommage, mais ce cadeau que la nature leur a fait, ben, c'était un cadeau empoisonné? Nous ne sommes pas condamnés, mais menacés par notre puissance. Et ça ne va pas être simple de s'en tirer. Et si, pendant la guerre froide, il y avait eu ces histoires, on ne serait plus là aujourd'hui et on aurait pu dire « triste histoire que l'histoire de l'humanité ». Il faut toujours noter quand on a des problèmes qu'on résout, on n'en résout pas beaucoup, il y en a beaucoup, mais c'est important de les noter pour garder le moral, pour garder le moral des troupes, pour que les gens ne disent pas « c'est foutu, il n'y a plus rien à faire ». Parce que quand on dit « c'est foutu, c'est foutu ». C'est ça aussi longtemps que des gens comme Churchill disent « c'est pas foutu », c'est une attitude volontaire parce qu'il y a à être inquiet. On n'est pas sûr du tout qu'on va gagner. On n'est pas sûr du tout qu'il y aura encore des êtres humains dans 100 ans sur cette planète. Je crois que je suis de tempérament assez facilement optimiste. J'ai un père qui était comme ça aussi, qui disait toujours « prends le taureau par les cornes ». C'est ça. Quand ça allait mal, il disait. Et il disait aussi « c'est quand ça va mal qu'on peut montrer ce qu'on vaut ».
Quand ça va bien, ça va bien. Mais quand tu es dans les problèmes, dans la misère, dans la situation difficile, ça fait sortir de toi ce qu'il y a de meilleur. Ou bien ça passe, ou bien ça casse, comme on dit. Donc tu fais ce qu'il faut pour que ça passe, et ça finit par passer, du moins c'est mon impression. Je suis toujours très content quand quelqu'un me dit « Vos livres m'ont beaucoup importé dans ma vie, m'ont fait décider de mon métier. » Je me dis « Ça vaut la peine. Ça vaut la peine de vivre en sachant que tu as aidé des gens ou que tu leur as apporté quelque chose sans le savoir. » Tu écris un livre, tu ne sais pas qui le lit. Mais quand des gens viennent te dire « Ce livre a été précieux pour moi », ça, je trouve que ça vaut la peine.